Bonjour les faux Richards. Je partage avec vous aujourd'hui le plus gros échec de ma vie. Jusqu'à l'heure actuelle. Parce que vous savez, il y a échec et échec. Je vous dis, il y a deux types d'échecs, les amis. Il y a les échecs qui n'ont pas de répercussions sur le temps. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Vous avez acheté un certain nombre de téléphones et vous ne parvenez pas à les revendre. Cependant, vous n'avez fait aucun emprunt bancaire pour pouvoir acheter ces téléphones-là pour les revendre. Là, les répercussions, vous les assumez seul, il n'y a pas de problème. Mais si au préalable, vous avez fait un prêt, un emprunt bancaire pour pouvoir acheter ces téléphones et que vous n'avez pas pu les revendre, à ce moment-là, ce sera plus douloureux parce que les répercussions vont être sur le temps. Pourquoi? Parce que la banque ne va pas vous laisser. Donc, c'est ce que je partage avec toi aujourd'hui. Parce que il faudrait que vous sachiez avec qui vous êtes en train d'échanger, avec qui vous êtes dans le Forex Club. En 2014, j'avais décidé, suite à l'arrêté ministériel du ministre de l'Environnement, du ministère de l'Environnement, sur l'utilisation des emballages plastiques inférieurs à 61 microns, de produire les emballages biodégradables. On était en 2014 et j'étais en plein projet à la Sonara. Sonara, c'est la société de raffinage pétrolier du Cameroun. Et quand j'ai suivi ça, ayant le flair d'un businessman, j'ai dit, voilà une opportunité à saisir. Et tout de suite, je me suis mis en branle. Je me suis mis à faire des recherches sur les différents types d'emballages biodégradables qu'on pouvait écouler. Et après ça, je suis allé plus loin en voulant plutôt faire venir les emballages déjà finis de la Chine et pour les écouler ici au pays, au Cameroun. Mais j'ai constaté que le coût de revient lorsque j'importais était très important. Or, si je parvenais à produire sur place, le coût était acceptable. Seulement, l'investissement n'était pas le même. C'est-à-dire que quoi? Le montant à mettre en œuvre pour pouvoir produire au pays avec sa propre machine n'était pas équivalent. C'était pratiquement le triple, le quadruple même, si j'achetais le produit fini en Chine et que je revendais ici. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai fait un plan d'affaires, j'ai payé quelqu'un qui a fait un plan d'affaires. Je veux parler, je suis obligé de parler un peu vite, plus vite, parce que je ne dois pas vous prendre plus de 6 minutes. Donc, j'ai payé une entreprise, en l'occurrence le cabinet Cible, où j'ai payé 1 500 000 francs CFA pour qu'on me fasse l'étude du marché sur Douala et sur Yaoundé pour l'opportunité à saisir en ce qui concerne ces emballages-là. C'est ainsi que les résultats étaient très très prometteurs. Et on a fait un plan d'affaires, on s'est retrouvé autour de 42 millions. Ça, j'étais le seul à ce moment-là qui était en train d'investir dans ce projet. Et je me rappelle, j'ai contacté un camarade de classe qui était en Afrique du Sud et il m'a dit, Constantin, ce business-là n'embrasse pas toutes les responsabilités. C'est-à-dire, c'est vrai que quand tu regardes le plan d'affaires, le coût de revient était autour de 5,5 francs. Tu vas revendre à 15 francs. Tu vois la marge est importante et tu te dis que tu vas te faire tout ce pactole-là seul. Or, n'oublie pas le côté perte. Donc, ce que je te conseille, c'est de partager les pertes. Ça, je répète son mot. C'est de partager les pertes en ouvrant le capital. C'est ainsi que je l'ai fait part de ça. Je lui ai dit, OK, j'ouvre le capital. Et il est venu avec deux personnes. Et ensuite, j'avais deux amis aussi. Nous sommes mis, on est au nombre de 7, oui, de 9 même. Là, on est en 2015. On est au nombre de 9. Et
on s'est mis à mettre l'argent pour pouvoir démarrer le business. Et il y a eu un petit, il y a eu un couac en fait. Il y a eu un certain malentendu au niveau des investissements et certains d'entre eux ont décidé de sortir du projet. J'ai dit ok, puis c'est moi qui étais l'initiateur, le promoteur du projet. J'ai accepté et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retiré l'argent que toute chaque personne avait déjà déposé et j'ai restitué à tout le monde. Ça, c'était la première phase du projet.